Hey yo les petits potes, c'est Rookie. Aujourd'hui on est de retour sur Warzone avec la série de 9mm et je vais vous présenter ce qui me semble être le meilleur class setup possible pour le mode notamment Résurgence. On commence donc avec la lunette et moi je vous conseille de mettre la mire parce que le visuel est très sympathique et très précis et largement suffisant pour cette SMG. Ensuite en bouche, il n'y en a qu'un à mettre, c'est le silencieux, il vous permet donc de ne pas apparaître sur la mini-carte et également, surtout c'est important de contrôler le recul du premier tir pour éviter d'avoir une espèce de kick vertical. Pour le canon, il n'y en a qu'un aussi, mais je vous invite à le mettre puisqu'il permet une augmentation de la portée des dégâts. Pour l'accessoire canon, je vous invite à mettre la poignée avant verticale pour tout ce qui est contrôle du recul horizontal et vertical, mais également un boost en vitesse de visée et vitesse de déplacement. Et enfin, entre les deux chargeurs, je vous recommande à mettre le chargeur étendu 1 pour avoir le plus possible de cartouches, c'est-à-dire 40, sachant que de base, il en a 32, si vous mettez le rapide, il n'en a plus que 25. En résurgence, franchement, 40, il faut absolument les mettre parce que en solo ça passe, mais tout ce qui est mode au-delà, ça peut vite être compliqué. Donc ne mettez pas moins que 40. La fenêtre de résurgence vient de se fermer. Cible à terre. Pour être très honnête avec vous, cette arme je l'ai testée uniquement en solo pour le moment, mais en solo elle fait le café, elle me déçoit pas du tout, après ça reste une SMG, donc quand même pour tous les combats de courte portée. Voilà, sur ce je vous dis à la prochaine, ciao ciao tout le monde.